Maurice a dit. À Vaux-en-Velin, un jour, il y a des mecs qui ont commencé à foutre le feu aux bagnoles, etc. Et ensuite, bah, c'est devenu un truc normal au point qu'aujourd'hui, on se dit, ah bah, tu vois, il y a eu que 500 voitures brûlées à Noël. C'était quand même une belle réussite. C'était quand même super. Parce que on a accepté, on s'est dit que c'était anecdotique, qu'il fallait essayer de comprendre pourquoi les gens faisaient je sais pas quoi. Maintenant, si tu regardes les infos, la plupart, c'est des mecs qui ont 15, 16, 20 condamnations et qui sont encore dans le système. Parce que, bah, au lieu de se dire, bon, est-ce qu'on va s'intéresser, est-ce qu'on va protéger ceux qui ne font pas ça, on s'est dit non. On va essayer de comprendre pourquoi le mec il fait ça, on va lui redonner une chance, etc. Et on a redonné des chances, on en a redonné 15 parfois à des mecs qui, dans leur carrière, ont assassiné, violenté, agressé une cinquantaine de personnes. Et là, on parle de gens qui ont moins de 40 ans. Ah, tu n'es pas d'accord ? Bien vite. Alors, tu vas là, je te paye. Ajoute maurice.usa sur Skype.